la prostituée est une figure forte de tous les genres cinématographiques. C'est la tenancière du saloon, l'alliée des gangsters, la fille vulnérable des comédies romantiques ou encore la victime des films d'horreur. Ce personnage, féminin la plupart du temps, attise des fantasmes depuis toujours. C'est l'image d'une femme précaire, à la fois victime et coupable, mais libre sexuellement et indépendante financièrement. On l'oppose à l'épouse et à la sainte, car elle est considérée comme marginale. De la putain au grand cœur à la fragile courtisane, le travail du sexe est particulièrement romantisé dans les films. Au cinéma, c'est presque toujours un regard d'homme qui est posé sur elle. Un regard très éloigné des réalités, et surtout pétri de paternalisme. Combien vont me donner pour ma pudeur perdue ? Nous allons nous intéresser à un scénario qui revient souvent dans les films romantiques. Un homme, bien sous tout rapport, tombe amoureux d'une prostituée et va tout faire pour la sauver. Il est présenté en sauveur, mais en réalité, c'est souvent par jalousie et possessivité qu'il va vouloir remettre cette femme sur le bon chemin. La plupart du temps, la prostituée n'est pas malheureuse de sa situation et jouit même d'une certaine liberté, puisqu'elle est indépendante. Mais par amour, elle finira presque toujours par suivre cet homme et la vie d'épouse. Ce sont des contes de fées modernes, avec le prince qui vient délivrer la jeune femme prisonnière de sa condition sociale. Le prince incarne l'idéal masculin, éveillant l'héroïne à l'amour, à l'âge adulte et à la sexualité. Le romantisme plane sur ces films, et l'image du travail du sexe n'est jamais très réaliste. Dans Breakfast at Tiffany's, Holly se fiche de l'amour. Elle aime s'amuser, sortir, et ne surtout pas avoir d'attache. La preuve en est qu'elle n'a même pas déballé tous ses cartons, et que son chat n'a pas de nom. Elle vit de l'argent que lui donnent les hommes pour les accompagner aux toilettes. Paul, lui aussi, est entretenu par une riche propriétaire, mais lorsqu'il tombe amoureux de Holly, il la fera culpabiliser de ses choix et de son mode de vie. Derrière son comportement protecteur, il y a un regard plein de jugement. Il fera tout un discours moralisateur où il lui dit qu'elle est égoïste, qu'elle est prisonnière et que la seule solution pour se délivrer serait de l'épouser. Holly, I'm not gonna let you do this. You're not gonna. Holly, I'm in love with you. So what? So what? So plenty. I love you. You belong to me. No. People don't belong to people. Of course they do. I'm not gonna let anyone put me in a cage. I don't want to put you in a cage. I want to love you. It's the same thing. No, it's not. Holly? I'm not Holly. I'm not Lulu May either. I don't know who I am. I'm like Cat here. We're a couple of no-name slobs. We belong to nobody, and nobody belongs to us. We don't even belong to each other. Stop the cab. Au début, les hommes sont impressionnés par l'excentricité et la liberté sexuelle de ces femmes. Le riche célibataire dans Pretty Woman est fasciné par la misère de Viviane et amusé de son manque de culture. Il va vouloir l'éduquer, l'initier à la vie bourgeoise pour la rendre acceptable, la façonner à son image et selon ses désirs. La violence symbolique est forte, car il veut effacer ce qu'elle est, une travailleuse du sexe précaire et bonne vivante, pour en faire une poupée fragile et superficielle. La fin de ce film insiste sur le fantasme du prince sauveur et du conte de fées. En psychologie, le complexe de Cendrillon désigne un désir inconscient éprouvé par les femmes d'être prises en charge, le plus souvent par leur partenaire masculin. Ces femmes sont souvent des initiatrices pour les hommes. Elles leur font vivre une vie pleine de plaisir, et eux sont souvent un peu naïfs ou maladroits. Comme elles dominent la situation, les rôles doivent s'inverser, et ça doit être l'homme qui initie la femme au mariage. Ils prennent aussi facilement un rôle d'éducateur, comme s'ils devaient transmettre la culture légitime aux travailleuses du sexe. D'ailleurs, on donne peu d'importance à leur goût à elles. Si c'est valorisé au début du film, tout cela sera condamné par la suite. D'ailleurs, quand elles sont comparées aux autres prostituées, c'est souvent pour rabaisser ces dernières, qui seraient forcément moins belles et plus vulgaires. L'héroïne doit avoir une faible estime d'elle-même, se dévaloriser, et ne surtout pas revendiquer ce qu'elle est. Dans la comédie Irma la douce, Irma est une prostituée de la rue Casanova. Nestor tombe sous son charme et va se battre avec son Mac afin de devenir son nouveau protecteur. Très vite, il veut qu'elle arrête son métier, mais Irma n'en a aucune envie, elle a tout ce dont elle a besoin pour être heureuse. Nestor, par possessivité, va alors se faire passer pour un riche lord, afin de devenir son unique client. Le film se terminera par un mariage, et même un enfant. Irma ne sera plus dans la rue désormais, elle sera mère au foyer. Nestor a obtenu ce qu'il voulait, en lui mentant et en la manipulant. Les hommes veulent toujours être plus qu'un simple client. Ils quémandent des privilèges particuliers. Ils ne respectent pas leur métier. Dans le film Moulin Rouge, le poète Christian tente d'obtenir une nuit avec Satine, la courtisane star du cabaret. Au nom de l'amour, sans la payer. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of
love me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, there's no way, 'cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love, you crave. Le film va se centrer totalement là-dessus. Il part de la jalousie de Christian et de sa souffrance d'être amoureux d'une prostituée, bien plus que de Satine, qui est celle qui est prise au piège et qui est rongée par la culpabilité. Il est vrai qu'elle aime Christian et souhaite devenir actrice, mais c'est encore l'homme qui est vu comme le sauveur, celui qui l'emmènera loin du Moulin Rouge. Un autre exemple de l'égoïsme des clients est Travis Bickle dans Taxi Driver, qui veut absolument sortir Iris de la rue, alors qu'elle refuse son aide. Why do you want me to go back to my parents? I mean, they hate me. Why do you think I split in the first place? There ain't nothing there. Yeah, but you can't live like this. It's a hell. A girl should live at home. Didn't you ever hear of women's lib? What do you mean, women's lib? You're a young girl. You should be at home now. Il ira tout de même à l'hôtel où elle se trouve et tuera tous les hommes qui l'entourent. Plus tard, il recevra une lettre des parents d'Iris qui le remercie d'avoir remis la jeune fille sur le bon chemin et qu'elle soit revenue chez eux. La société le voit en héros. Pourtant, Iris lui avait bien dit qu'elle avait quitté le domicile familial car ses parents la détestaient. Il agit pour lui et pas pour elle. Il se prend pour un surhomme et croit savoir mieux que quiconque ce qui est bien pour une jeune fille. Ces films sont des classiques du cinéma, et certains sont magnifiques. Mais ils sont réalisés par des hommes qui ne connaissent rien au travail du sexe et qui véhiculent des clichés tenaces. Leurs personnages sont naïfs, ce qui justifie que l'homme pense « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Il y a de l'infantilisation en permanence. La prostituée au cinéma, c'est la représentation de la précarité des femmes, car elles dépendaient, et souvent dépendent encore, des hommes pour gagner leur vie. Ces happy ends ne laissent pas un goût amer, les personnages féminins finissent souvent heureux. Mais c'est toujours la jalousie et la possessivité qui l'emportent. Le film prend fin quand la femme est revenue au foyer. C'est une vision très paternaliste. Ça sous-entend que les femmes hors système ont besoin qu'un homme vienne les sauver pour pouvoir vivre normalement. Ce n'est jamais le manque de reconnaissance et la violence que subissent les travailleuses du sexe qui est remise en question. Si elles sont mises à l'écart de la société, c'est parce qu'elles n'ont pas besoin d'un mari pour vivre et qu'elles représentent une forme de liberté sexuelle. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face d'or, frisé ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas les filles, vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant quatre fois par mois, prenez la braise et gardez-la, cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de bons petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras, à la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas.